Bienvenue à tous et comment on dit, bonne année. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier culte en début d'année en famille, parce que moi si je m'engage dans une paroisse, c'est parce que quelque part j'y ai trouvé une famille. Et comme dans les familles, on ne choisit pas les membres, on les hérite. Des fois on n'a pas les mêmes idées, les mêmes opinions, parfois on n'est pas d'accord, mais ce qui me fait du bien, moi, c'est de savoir que tous les dimanches, ou presque, nous allons retrouver des gens avec lesquels, voilà, on peut partager un moment ensemble, on peut se retrouver et partager ce qui nous relie, la confiance que la flamme qui nous réchauffe, cette flamme, elle ne vient pas de nous, mais elle nous est donnée. Elle nous est donnée gratuitement. Et la naissance de ce bébé Jésus nous a montré la direction. Alors aujourd'hui, nous cherchons ensemble cette direction. Un peu interdit de chanter, alors on va agrémenter de temps en temps par du chant énergique aussi autrement. On pourra fredonner tout à l'heure, on aura l'opportunité ensemble. Par contre, nous pouvons parler, nous pouvons louer, ça nous avons le droit. Alors je vous invite à vous lever et sur votre feuillet, vous avez la louange que nous allons dire ensemble. Nous allons dire le refrain tous ensemble et moi je lirai les strophes. C'est un chant que vous connaissez certainement très bien. Plutôt que de le chanter, nous allons le dire, ça c'est légal, on a le droit de le faire. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères
et nous rend meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés, donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi, une vie nouvelle, fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le récit d'aujourd'hui, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, et c'est les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus, à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants on dit dans la tradition qu'il s'agit de 3 savants, mais en fait, le texte, il n'en dit rien. Peut-être c'était 5, peut-être ils étaient 10, peut-être que c'était 2, on n'en sait rien. Mais les savants, on va continuer avec la tradition, les 3 savants, ils vinrent d'Orient. Ils sont arrivés à Jérusalem et ont demandé « Où est l'enfant qui vient de naître ?» Le roi des Juifs. Car nous avons vu son étoile briller dans le ciel. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode a appris cela, il était très préoccupé. On dit troublé dans la Bible. Il réunit tous les grands chercheurs, prêtres, spécialistes des Écritures et leur demandait où le Christ devait naître. Et ils lui ont répondu « À Bethléem ». En Judée. Car voici ce que le prophète avait écrit. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur cet enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, revenez me dire que je puisse aller moi aussi me prosterner devant lui. » Quelle mauvaise foi! Après avoir écouté le roi, les savants partirent
Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et ils tombèrent à genoux devant l'enfant. Puis, ils amènent leur cadeau. De l'or. C'était des cadeaux pour un roi. De l'incens. Ça sentait bon. Et de la myrrhe. Comme ils furent avertis en rêve des intentions méchantes d'Hérode, ils n'y sont pas retournés. Ils ont pris un autre chemin pour rentrer chez eux, dans leur pays. Et nous levons tous ensemble pour fredonner. Ils ont marché au pas des siècles. Vous avez le texte dans votre livret, dans votre feuillet, si vous souhaitez suivre les paroles. Thank you.
Je me demande comment se sentaient les mages, les savants sur le chemin du retour. Je me demande comment ils ont fait pour retrouver leur chemin, vu que l'étoile qui les avait amenés à Bethléem, je ne suis pas sûre qu'elle ait fait de guide pour le retour. Je me demande ce qu'ils ont fait après cette rencontre. Toute cette excitation, toute cette lumière, carrément une étoile qui bouge dans le ciel, quand même. C'est spectaculaire, c'est une émotion forte. Et après ? Est-ce qu'ils ont aussi fêté Nouvel An en petit comité ? Est-ce qu'ils ont aussi rangé leurs décorations ? Est-ce qu'ils se sont aussi retrouvés avec le mois le plus déprimant de l'année devant eux ? Ouais, semblerait, certaines études disent que janvier est le mois le plus déprimant de l'année. Les fêtes sont derrière, les journées sont encore courtes, les nuits très longues. Le printemps, il a l'air très très loin encore. Fou, franchement, pas très réjouissant tout ça. Comment ils ont fait, les mages, après un événement aussi fort ? Plus d'étoiles à suivre. Je suis sûre que sur le voyage pour aller à Bethléem, ils ont dû bien se rapprocher. Peut-être qu'ils ne se connaissaient pas très bien avant, mais je pense que ça vous est déjà arrivé de partir en voyage ou en excursion avec des gens avec lesquels vous ne vivez pas. On les rencontre mieux. On commence à apprendre leurs défauts, leurs petits tics, les tocs, tout ce qu'on a, qu'on aime et qu'on n'aime pas chez les autres. Comme les membres d'une famille. Et après leur visite, pour voir l'enfant Jésus, ils sont sur le chemin du retour. Et ils ont tous le même rêve. C'est quand même fort. Ils repartent chacun chez soi, en vitesse et presque incognito, hein, pour éviter de retourner chez Hérode, car il ne semblait pas avoir de bonnes intentions avec cet enfant. Je suppose qu'ils reprennent la vie quotidienne, les études, l'observation du ciel. Mais qu'est-ce que ça doit être fade après cet événement, après tout ce qu'ils ont vécu. Ça vous arrive, vous ? De vous dire, et maintenant ? Dans nos vies, nous avons aussi des étoiles que nous suivons. Peut-être vous avez même fait des résolutions de la nouvelle année, qui sont comme des étoiles que nous suivons. On la met devant, on essaye de la suivre. Nous avons des événements forts, des objectifs ou des personnes qui nous guident. On les suit, on s'inspire de l'exemple qu'ils nous donnent. Et on a tous des rêves, des désirs que nous aimerions voir réaliser. J'aimerais tellement avoir de bonnes notes à l'école. J'aimerais décrocher ce poste. J'aimerais trouver quelqu'un qui partage mes passions. J'aimerais. Nous avons la lumière devant nous. Elle attire notre regard. Nous n'avons qu'à la suivre. Facile. C'est peut-être une tâche qui demande de la créativité ou du courage ou de la persévérance. Mais nous savons ce qu'il faut faire. C'est devant, le chemin est clair. Et quand il n'y a plus la lumière ? Et quand les bougies arrivent à la fin, regardez, la fin des bougies de l'Avent. Vers la fin, c'est pas glamour, hein, ça coule de tous les côtés et ça va s'éteindre. Vendredi 1er janvier 2021, il y a 2 jours, mon grand-papa est décédé à l'âge de 92 ans. C'était un pilier de notre famille. Une brique, vous savez, bien fondatrice de ma vie,
de ma personnalité, de ma foi. Pendant 46 ans, c'est exactement la moitié de sa vie, c'est mon âge, c'était un homme discret, solide, extrêmement fidèle. Un vrai exemple, une vraie étoile qu'on suit. Maintenant, elle n'est plus là, cette lumière. Comme celle des bougies de Noël, elle s'est éteinte. C'était une étoile qui me montrait le chemin. Maintenant, je fais comment ? Elle n'est plus là. La lumière de Noël est dans nos souvenirs, mais nous ne la voyons plus. Ça peut faire peur, ça peut nous déprimer, comme le mois de janvier. C'est tellement plus agréable d'avoir quelque chose devant, à suivre. Une lumière claire, un objectif, une personne aimée ou un fort caractère, une personnalité charismatique. Quelque part, ça nous évite de décider pour nous. Nous n'avons qu'à suivre. Je fais comme lui. Je m'appuie là-dessus. Oh, je vise cet objectif. Je n'ai pas forcément quelque chose à faire. Alors moi, je crois que ces événements de Noël, de la vie, les personnes qui font partie de nos vies, la naissance de Jésus, ils nous changent. Nous ne sommes pas les mêmes qu'avant ces événements, qu'avant la rencontre avec ces personnes. Je pense que les mages sont retournés dans leur quotidien avec quelque chose qui a changé. Et à mon avis, bon, je fais un peu de spéculation, hein, mais à mon avis, ils n'ont pas cherché la prochaine étoile à suivre. À mon avis, ils ont décidé d'être des étoiles. Chacun, dans son quotidien, est devenu lumière, est devenu une étoile pour les autres. Ils ont choisi la partie de cette expérience forte qu'ils voulaient incarner et vivre au quotidien. Pour l'un, c'était peut-être la joie ressentie lors de la rencontre avec ce bébé. Pour l'autre, peut-être la simplicité et l'humilité de cette famille. Et pour l'autre encore, c'était peut-être la tendresse de cet événement. La lumière, au lieu de la suivre, de la chercher à l'extérieur pour nous donner le réconfort et la sécurité que nous aimerions avoir, cette lumière, nous pouvons la devenir. Nous pouvons choisir d'être une étoile, même petite, toute petite, qui fait lumière et qui montre la trace que les événements que nous avons vécus et les personnes que nous avons côtoyées ont laissé en nous. Au lieu de me dire « Quelle déprime, Noël est déjà fini », je peux me dire « Quelle partie de l'histoire de Jésus est-ce que je faire mienne et vivre au quotidien ?» Peut-être c'est le courage de Marie et Joseph de faire face à tous ces événements. Ou alors la simplicité des bergers qui sont venus rendre hommage à ce bébé. Ou alors, la sagesse de ces mages
qui ne sont pas retournés voir le roi Hérode. Plutôt que d'attendre le réconfort des autres, je peux me réconforter, je peux moi réconforter quelqu'un qui en a besoin. Plutôt que d'attendre que quelqu'un ou quelque chose me rende heureuse, je peux faire ce que je sais ou je peux pour faire une joie à quelqu'un d'autre. Plutôt que d'attendre que 2021 soit meilleur que 2020, je peux contribuer moi à façonner cette année qui vient. Plutôt que d'attendre que les autres y soient comme il faut, je peux moi montrer l'exemple. Il y a une semaine, avec les garçons et leurs cousins, ça fait 5 garçons entre l'âge de 10 et 18 ans, nous sommes allés à la déchetterie à La Chenalle pour faire notre recyclage. Bien suisse, il faut faire ça quand il faut. Et nous avons vu plein, mais alors plein, je peux vous dire, de cartons jetés n'importe comment tout autour du grand container qui est prévu à cet effet. Les personnes n'avaient pas pris la peine ou n'avaient pas pu plier ces cartons et les mettre à l'intérieur. Donc c'était un grand chenil tout autour de ce container. Alors direct, on s'est dit, évidemment, ah ben voilà, les gens aujourd'hui, plus de respect pour les installations communales, c'est n'importe quoi. Et nous avons bien regardé avec un petit air supérieur et jugeant, hein, bien désapprobateur, cette scène quand même assez désolante. Et clairement, ce n'était pas notre faute. Et là, je me suis dit, ok, Eva, tu cherches quelle étoile? Tu veux suivre quelle étoile là? Et pour le grand plaisir de ces 5 jeunes, nous avons ramassé tous les cartons, les aplatis, fait le tri, l'ordre autour de ce container. Un geste minuscule qui représente l'étoile que je veux être, l'exemple qui met la main à la pâte et pas la râleuse qui juge les autres. Ne pas attendre la lumière d'ailleurs, devenir la lumière. Alors je nous invite tous à réfléchir à quelle lumière, quelle étoile nous avons envie d'être. Regardez, il n'y a pas une grande étoile qu'il faut suivre aveuglément, peut-être en la regardant. Il y a plein de petites étoiles partout, plein de petites lumières que nous pouvons suivre, que nous pouvons être. Même lorsque la grande étoile de Noël n'est plus là, même lorsque nous n'avons plus de grande lumière à suivre, même quand j'ai plus un grand-papa devant qui me donne l'exemple, je peux illuminer, moi, le quotidien de tous. Chacun avec sa petite lumière. Chacun avec son étoile, sa trace laissée par la toute grande. Amen.
rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Et nous prions avec ce poème que Dietrich Bonhoeffer a écrit à sa fiancée à la fin de l'année 1944 et qui est intitulé « Mes vœux de Noël pour toi, nos parents et leurs frères et sœurs ». Ô fidèle et silencieuse présence de puissance bienveillante qui merveilleusement protège et console, c'est en elle que je veux vivre ces jours en votre compagnie et entrer avec vous dans une nouvelle année. Ô merveilleux secours de puissance bienveillante, en lequel nous attendons confiance ce qui adviendra. Dieu est avec nous au soir et au matin, et très certainement à chaque nouveau jour. Nos cœurs peinent encore sous un joug ancien. Pèse sur nous le fardeau des mauvais jours. Ah Seigneur, donne à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as créés. Et si tu nous tends le lourd calice, l'amer calice de la souffrance, rempli jusqu'au bord, nous le recevrons en reconnaissant sans trembler de ta main bonne et aimée. Mais tu veux nous réjouir encore une fois à ce monde et à l'éclat de son soleil, et nous voulons nous ressouvenir du passé pour t'offrir tout entière notre vie. Fais s'élever aujourd'hui la flamme chaude et claire que tu as apportée dans nos ténèbres. Fais-nous nous rencontrer à nouveau, si cela peut être. Nous le savons, ta lumière brille dans la nuit. Lorsque fond sur nous le profond silence, fais-nous entendre ce plein accord du monde, qui invisible s'élève autour de nous, le chant de louange de tous tes enfants. Ô fidèle et silencieuse présence, de puissance bienveillante, qui merveilleusement protège et console. C'est en elle que je veux vivre ces jours en votre compagnie et entrer avec vous dans une année nouvelle. Amen. Thank you.
La bénédiction, je l'ai prise sur le site d'une pasteur américaine, Jan Richardson, et je l'ai traduite, donc c'est de la traduction un peu littérale de l'anglais. Vous l'avez sur votre feuillet, vous pouvez la prendre avec vous dans votre quotidien. Tout au long de ces mois, pendant que les ombres s'allongeaient, cette bénédiction se préparait. Elle s'est exercée en marchant dans le noir, en voyageant avec ses yeux fermés, en sentant le chemin dans le cœur. Alors crois-moi quand je te dis que cette bénédiction saura te joindre même si tu n'as pas assez de lumière pour la voir. Elle te trouvera même si tu ne peux pas la voir venir. Tu sauras qu'elle est arrivée parce que tu pourras reprendre ton souffle, un souffle que tu retenais depuis longtemps. Tu sauras qu'elle est arrivée parce que tu pourras relâcher la crispation de tes mains. Tu sauras qu'elle est arrivée parce que la tenaille autour de ton cœur pourra se relâcher. Cette bénédiction ne va pas emporter les nuits, mais elle sait où se cachent les routes. Elle connaît les lieux pour se reposer, nous permet de cheminer avec nos amis. Quand cette bénédiction vient, prends-la, prends sa main, lève-toi. Pars sur la route que tu ne peux pas voir, car c'est pendant la nuit que tu peux avoir confiance que n'importe quelle direction tu choisisses, tu marches vers l'aube. Amen.